devait arriver arriva. J'ai d'énormes problèmes de son sur tout un tas de séquences. D'habitude, j'essaye de les retravailler un petit peu ou je les supprime carrément, mais là, bah, y a pas de son, donc je ne peux rien faire et la seule solution que j'ai, c'est de faire la voix off. Et vous allez vite comprendre pourquoi j'ai pas eu envie de jeter tous ces plans à la poubelle. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, j'ai voulu aller plus vite que d'habitude et j'ai voulu remonter le mouillage un peu trop rapidement. Et l'encre que vous voyez là, elle est tendue avec son orin, donc avec le bout qui est au bout de l'encre, au bout duquel il y a une bouée. Et cette bouée est allée s'enrouler sur le moteur. Donc le moteur a calé et tout s'est tendu très fort, quoi. Donc là, je suis à la voile et il faut que je trouve une solution pour me démêler de cette histoire. Pourquoi est-ce que j'en suis arrivé là? D'habitude, je relève l'ancre, je prends l'orin, je ramène tout sur le bateau et je retourne derrière au moteur. Et bien là, dès que l'ancre était à poste, je suis retourné directement au cockpit pour mettre des gaz et avancer. Sauf qu'en mettant des gaz, et ben, la bouée est passée sous la coque et s'est enroulée autour de l'hélice, ce qui a donc tout tendu et fait stopper le moteur. Je suis donc sur un bateau où le moteur ne peut plus démarrer. Donc le seul moyen que j'ai d'avancer et de rester manœuvrant, c'est de dérouler un petit peu de génois. Et je dois faire des virements de bord assez fréquents parce qu'il faut que je reste dans la baie parce qu'à l'extérieur il y a trop de vent et de toute façon à l'extérieur je pourrais pas régler mon problème de mouillage parce qu'il faut que j'aille sous le bateau pour tout démêler. Donc là je suis en train de faire des allers-retours dans la baie que vous voyez actuellement où j'étais mouillé un peu plus tôt. Et du coup, eh ben, ma solution c'est d'aller utiliser le mouillage secondaire. Sauf que le mouillage secondaire, eh bien, il est dans le coffre. Et forcément, il est tout au fond du coffre. Donc je vais devoir rentrer dedans. C'est pour ça que je suis en train de verrouiller la fermeture. Comme ça, quand je rentrerai dedans, eh bien, le capot ne se refermera pas. Parce que si jamais le capot se referme et que je suis dedans, et que le bateau est sous voile, sous pilote, dans une baie, eh bien, autant dire que ça va mal se finir. Donc je retire l'annexe, le spi, ce qui me permet de rentrer dedans, mais c'est pas fini, là on aperçoit l'ancre, mais il y a encore plein de choses dedans, et forcément ben, le mouillage est pas prêt, donc il va falloir tout retirer, un petit peu à droite dans la caisse en bas, en dessous de mes mains, on voit la chaîne, qu'il va falloir aussi sortir, et derrière il y a encore un sac avec tout le bout qui me permet d'avoir une grosse longueur de mouillage. Et surtout, en faisant tout ça, eh ben, il faut que je continue de regarder un petit peu autour de moi pour surveiller la navigation et vérifier que je fonce pas sur les côtes. Donc, je vous explique le plan. Le plan, c'est de gréer le mouillage secondaire. Une fois que j'aurai gréé le mouillage secondaire, eh bien, je le larguerai et à ce moment-là, je serai au mouillage et donc tranquille pour aller me baigner. Chose que par temps froid, je n'aime pas du tout faire. Mais bah, il n'y a pas le choix. Et donc, une fois que je serai à l'eau, eh bien, il faudra aller démêler tout ce qu'il y a autour de l'hélice. Préparer le mouillage secondaire dans ces conditions, c'est vraiment pas agréable. J'avais quand même prévu un petit bout qui me permettait d'avoir une des extrémités, mais en fait la caisse, je ne peux pas la porter, je peux pas la porter et l'amener directement en haut. Donc je suis obligé de, à la main, tout dérouler en haut pour ramener ça dans le cockpit. C'est quand même marrant parce que pour ceux qui se rappellent la fin de la saison 2, eh ben, on s'était retrouvé exactement dans la même situation avec le moteur qui a calé. Là, c'était pas un bout, c'était de la chaîne qui était carrément autour du moteur. Et j'avais réussi à ne pas aller à l'eau. Pour le coup, j'avais bien géré. Mais là, c'est moi qui suis 100% responsable. Donc, c'est moi qui vais aller à l'eau. Une fois toutes les parties de mon mouillage secondaire sorties, bah, j'ai refermé le coffre en remettant un peu de matériel à l'intérieur pour libérer un peu le cockpit. Et là, eh ben, je recherche une manille parce que pour attacher l'ancre à la chaîne et la chaîne au bout, eh ben, il va me falloir une manille.
Le seul problème, c'est que vous vous doutez bien que malgré toutes les manies que j'ai, eh ben, il n'y en a aucune qui fait la bonne taille. Donc je vais quand même faire un ou deux allers-retours à l'intérieur pour trouver la bonne manille. Et puis après, ben, je vais décider de trouver une autre solution et je vais utiliser le boot. Je vais pas tous vous les montrer, mais bien évidemment, toutes les 5 minutes, à chaque fois, eh ben, je ressors un petit peu trop ou je m'approche un peu trop du rivage. Et donc, je fais des virements de bord. Là, on voit dans le cockpit donc la chaîne qui est sortie, l'ancre qui sera bientôt attachée avec le petit boot. Et on voyait aussi la grosse haussière qui va me permettre de bien tout rallonger. Parce que mon autre problème, c'est que si jamais je balance mon mouillage secondaire et que ça n'accroche pas et que le bateau dérape, et ben là, à ce moment-là, j'aurais déjà bien évidemment roulé la voile, donc je serai plus manœuvrant. Donc il faudra vite que je redevienne manœuvrant pour pas aller m'échouer sur le rivage. Et aussi que je prévois un système pour larguer le mouillage secondaire en puissant aller le retrouver plus tard. Du coup, mon plan, c'est d'attacher le mouillage secondaire à l'avant du bateau. Comme ça, je vais pouvoir tout larguer de l'arrière. Parce que je vais pas amener l'ancre et la chaîne à l'avant. Ça demande déjà un effort qui sert à rien. Et au moins, je serai à l'arrière, manœuvrant proche de la barre des écoutes de Génois et réactif pour manœuvrer. À l'avant, j'amarre le mouillage à un taquet et l'extrémité du mouillage, donc pas côté chaîne, mais côté bateau. Et ben, j'attache aussi une bouée. Comme ça, si jamais je dois larguer le mouillage, et bien grâce à la bouée, je pourrai venir récupérer mon mouillage plus tard. En sachant que bien sûr, si jamais ça se passe comme ça, je me retrouve dans une galère sans nom. Mon mouillage secondaire est prêt à être largué. J'attends de passer sur une bande de sable qui accrochera mieux que l'algue pour tout larguer. Je largue donc de l'arrière, sauf que bien sûr je veux pas abîmer les filières qui sont les petits câbles métalliques qu'on voit en lâchant tout. Du coup, je le fais à la main, sauf que ça commence à faire pas mal de poids tout ça. Plus le bateau qui commence à dériver, et au bout d'un moment je me rends compte que c'est un petit peu difficile, et du coup je largue un peu tout d'un coup. Une fois que la chaîne est à l'eau, il reste juste à vérifier que le boot part bien à l'eau et s'en mêle pas quelque part sur le bateau. À ce moment-là, il ne me reste plus qu'à espérer que le mouillage tienne du premier coup et que je n'ai pas à m'y reprendre. Donc il n'y a qu'une seule solution pour ça. C'est de laisser le bateau dériver tranquillement et voir si la chaîne fait bien tête. Donc faire tête, c'est-à-dire que le mouillage et le bateau se mettent dans le même axe en général, qui est le même axe par rapport à là d'où vient le vent s'il n'y a pas de courant. Là, on voit que le mouillage commence à se tendre et du coup, on voit le bateau qui part un petit peu sur la gauche là, de l'écran. Et donc qui se met dans le même axe que le mouillage. Ensuite, il faut prendre deux amers à terre. Donc ça peut être un arbre, une maison, peu importe. Et il faut que ces deux amers soient parfaitement alignés, comme je vais vous le montrer avec mes deux petits doigts. Si l'amère de devant se décale sur la droite, ça veut dire que le bateau dérape. Ça veut dire qu'on recule. Et dans ce cas-là, c'est pas bon signe. Et là, bien heureusement, les amers restent parfaitement alignés. Ça veut dire que mon mouillage tient. J'ai donc enfin une situation sereine, mais je peux me poser pour réfléchir à la suite des opérations. Je retourne donc voir l'ancre pour m'assurer que j'ai bien compris ce qui s'est passé. Mais bon, j'en doute pas trop. Il est temps pour moi de souffler un petit peu et de bien reprendre mes esprits, mais surtout de réaliser que... Dans mon malheur, j'ai même pas d'eau chaude. Le moteur, il a pas tourné assez longtemps pour faire de l'eau chaude. Donc je vais devoir me rincer à l'eau froide en remontant sur le bateau, quoi. Non mais l'enfer, quoi. L'enfer.
J'avais donc bien ma combi à bord, j'étais pas sûr. Je l'ai pas mise depuis l'époque où j'étais adolescent et que j'étais en école de voile. Heureusement que le néoprène c'est élastique. Hein. J'étais vraiment pas sûr de rentrer dedans, mais c'est bon, c'est fermé. Il n'y a plus qu'à sauter dans l'eau. Pas le masque tuba prêt. Le couteau, je l'ai attaché au bateau là-bas. Et j'en ai toujours pas envie. Hein. J'ai toujours pas envie de sauter dans l'eau. Enfin bon. Je sais même plus ça comment ça se met. Oh putain. Bon, c'est pas grave, ça va me réveiller, c'est vivifiant, ça fait brûler des calories. En plus, avec ma barbe, le masque n'est pas étanche. Je vais avoir de l'eau qui rentre, comme d'hab. Bon, allez. Je prépare le couteau. Tac. Et c'est parti, mon kiki. C'est parti. On va retirer quelques tours. On va voir si en mettant une petite marche arrière il démarre ou pas. Voilà, et là je vais aller voir. Thank you.
cas, bah, vous avez vu que au niveau apnée, je suis vraiment une bille quoi. La batterie est tombée en panne, vous avez pas pu voir la fin, je suis désolé, mais c'est bon. J'ai récupéré les boots. En fait, quand j'ai mis le petit coup de marche arrière, vu que ça s'est enroulé en marche avant, et ben ça se déroule en marche arrière normalement. Après avoir retiré ce que je pouvais, quand c'était un peu trop serré, j'ai juste mis un petit coup de marche arrière, comme vous avez vu. Je suis retourné voir, j'ai tiré dessus, et bah, tout est venu quoi. Donc, c'est pas fini. Alors non pas que j'ai déjà pris ma douche et que les vêtements sèchent, ça c'est pas grand chose à faire, hein, c'est bon. Le moteur tourne aussi. Maintenant il faut que je réfléchisse à comment récupérer le mouillage et à le remettre dans son coffre. Remettre dans son coffre ça va pas être très difficile, mais récupérer le mouillage... C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça va décrocher, je vais reculer, sauf que j'ai personne à la barre, donc il faudra que je fasse des allers-retours. Ça sent un peu la galère, quoi. Donc, je réfléchis un petit peu et je vous dis ça. Peut-être que je vais mouiller l'autre mouillage aussi pour m'aider, sauf que je suis mouillé assez près là-bas. Donc, je sais pas trop si je peux m'avancer pour mouiller, reculer sur le mouillage que j'ai mouillé, le remonter et repartir. Bon, c'est un petit peu technique, mais le plus important, c'est que ça, c'est facile par rapport à ce que je viens de faire. Il n'y a plus qu'à, c'est juste qu'on perd du temps et que là, il est bientôt midi, donc on peut encore y aller, mais faut pas que ça traîne trop, sinon on va arriver trop tard le soir et j'ai pas envie d'arriver fatigué. Mais j'ai pas envie de rater cette prochaine escale aussi, parce que normalement, c'est un petit mouillage avec un temple, le temple de Poséidon, vu du mouillage. Donc j'ai quand même bien envie d'y aller. L'autre problème aussi, c'est qu'il y a du vent, et du coup ça tire pas mal sur le mouillage. Donc il faut que je tire tout le mouillage à la main, quoi. Donc mon idée, je vais essayer de faire des allers-retours avec le moteur à l'arrière. Je vais faire des allers-retours avec la manette des gaz pour mettre un peu en avant, me rapprocher, venir récupérer. Quand je serai au niveau de la chaîne, bah je ferai attention à ce que le bateau ne dérape pas. Je vais essayer de récupérer un maximum, et à partir du moment où le bateau dérape, je mouillerai l'autre mouillage. Sauf que avant de le mouiller, je m'écarterai un petit peu d'un côté ou de l'autre, en avant, pour pas mouiller sur la chaîne, sur la première chaîne, pas sur le mouillage principal. Et comme ça, une fois que tout sera à bord et que je serai mouillé, j'aurai le temps de tout ranger bien avant de repartir. On va tenter comme ça. Ouais, pour rien arranger, il y a du crachin qui arrive. Donc là, je vais essayer de me rapprocher. Pour tout mettre à la main. Bon, heureusement pour le coup, j'ai pas un bateau de 14 mètres hein, ou de 18 mètres, parce que là ça serait impossible quoi. Hop, bon là je vois bien que le bateau il part en cacahuète. Hop, ah, je vais mettre un petit coup de pilote auto, on va voir s'il arrive à tenir. Je vais retourner à l'avant, récupérer.
Oh, je vais en avoir pour 20 ans à faire tout ça, quoi. Bon, je vais attendre que le bateau se remette dans l'axe. Je vais mettre barre droite, puis le toto. Un petit peu de gaz. Je vais laisser embrayer. Et on récupère. Ok, bon bah là, je suis arrivé au niveau de la chaîne. Bon, mon autre solution que je viens de regarder, c'est de retirer ce mouillage là pour faire passer la chaîne ici. Et ça me facilitera la remontée. Le problème, c'est que là, la bise, elle vient en buter contre lui, quoi. Putain, je sais pas qui c'est qui a monté ça encore. Donc, ça veut dire qu'il faut que je démonte tout le chandelier, l'étanchéité, le machin, le truc. Bon, donc, j'abandonne cette idée. Et j'ai plus le choix. Faut que je fasse tout à la main. Note pour le prochain bateau, c'est bien d'avoir un double davier avec la possibilité de mettre deux ancres à poste. Ou en tout cas, d'utiliser le guindeau avec deux mouillages. Donc là, j'ai ramené cette caisse en bois pour pouvoir mettre la chaîne dedans pour pas abîmer tout le pont. Et puis bah huile de coude. Hein. C'est trop dur. Ah, faut que je trouve une autre solution quoi. Quand je disais que le plus dur était derrière moi, je pense que j'avais tort. Parce que là, avec le vent, en fait, j'arrive pas à remonter l'ancre, quoi. Bah, c'est même pas l'ancre que j'arrive pas à remonter, quoi. C'est la chaîne, quoi. À deux, ça serait faisable, mais tout seul, là, c'est une galère. Parce que le temps que je mette le bateau en avant, et ben le temps que j'arrive, il a repris de la vitesse en arrière. Du coup, quand la chaîne commence à se tendre, c'est un calvaire. Quand il y a des rafales de vent, là, comme là, c'est un calvaire aussi. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Bon, je trouve pas vraiment de solution à part de le faire comme je l'avais dit. Donc, ce que j'ai préparé, c'est que j'ai préparé ça, que j'ai attaché au taquet et que j'ai attaché au mât et qui me permettra de faire des pauses, de tenir la chaîne et de faire des pauses. On va voir si j'y arrive comme ça. Donc là, la chaîne comme ça, elle tient. Et moi, ça me laisse le temps de faire une petite pause et de ranger ça et de ranger là-dedans. Ensuite, je retourne à l'arrière, je fais un petit coup de moteur pour avancer un peu et je repars à l'avant, reprendre les 5 mètres de chaîne. Et puis bah, je vais faire ça pendant bah, le temps qu'il faut. Hein.
Hop. Là, je mets la main de fer ici. Je lâche. Je range. Je regarde où part la chaîne. Elle part à droite par là. Donc je mets un coup de moteur par là-bas. Et j'y retourne. Barre tout à droite. Et un petit coup de fouet au moteur. Encore un peu. Force. Bah, j'ai eu un. Voilà, maintenant, on va remouiller. Donc là, je vais faire ça bien, je vais me mettre face au vent d'abord. Alors c'est plus facile d'appuyer sur un bouton. Hein. Bah maintenant, faut ramener le mouillage, la chaîne, le boot, tout dans le coffre, tout ranger. Faut ranger tout ça aussi. Et après, c'est départ. J'ai enfin fini le principal du rangement, donc je finirai le reste en mer et là on peut y aller. Il est 13h, donc ça va nous faire arriver tard, mais il y a du vent donc on risque d'avancer vite aussi. C'est parti, je suis épuisé. Et là c'est vachement plus simple, il suffit d'appuyer sur un bouton et ça monte tout seul. Ah, quel confort, quel confort. Et regardez, ils font même un feu de joie derrière moi sur la plage pour me souhaiter un bon départ. C'est des déchets verts, donc ça fait pas des superbes flammes, mais c'est gentil de repart quand même. Finalement, j'ai envoyé toutes les voiles, grand voile haute et génois entièrement, parce qu'il y a un peu moins de vent que prévu, même si je pense qu'une fois qu'on sera libéré de la pointe, on va choper plus de vent à mon avis, donc on verra si c'est tenable ou pas. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de houle, donc c'est confortable, et j'ai envie d'avancer vite pour rattraper un peu mon retard. Là on est à 6 nœuds 5, il y a 14 nœuds de vent. Donc c'est pas mal, si on peut taper du 7-8 nœuds, ça serait bien, dans le confort. Là, ça nous fait arriver vers 18-19 heures pour l'instant, à cette vitesse-là. Un peu, ouais, 19h30, parce que j'ai pas mis
le waypoint vraiment sur le mouillage. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on est parti, c'est que tout va bien, le bateau fonctionne, le moteur fonctionne. Il n'y a plus qu'à profiter et il est largement le temps de manger aussi. C'est marrant parce que la roche, elle est presque verte. Je sais pas trop ce qui fait cette couleur verte. J'espère que c'est pas des émeraudes parce que sinon je m'arrête. Parce que je sais très bien les deux bateaux que je m'achèterais si j'avais budget illimité. Et il me faudrait pas mal d'émeraudes pour ça. Mais rassurez-vous, c'est quand même des bateaux que je manœuvre en solitaire. Je ne change pas le programme. Je suis assez déçu parce que ça aurait été le moment parfait pour mettre le spi asymétrique. Ça aurait évité que ce génois se dégonfle tout le temps. Mais malheureusement, bah, j'ai toujours pas trouvé de solution. Et tout seul, je peux pas y arriver. Et là, le spi asymétrique, à cette allure, on est très abattu et il se dégonflerait comme le génois aussi. Là, on a un bateau militaire de l'OTAN. Et là, on a deux porte-conteneurs et un vraquier là plus loin au milieu. On a retrouvé du trafic. Il y a Athènes pas très loin. On a enfin les conditions de vent qui étaient attendues. On est travers au vent, il y a 18 nœuds, 20 nœuds. Donc ça déboule là, on est à plus de 8 nœuds. Donc on va peut-être arriver pas si tard que ça, c'est bien. Donc là on retrouve les bateaux, on retrouve le trafic, en fait ça arrive de là et ça va par ici. Là on voit, là il y a le début d'un DST, d'un disposition de séparation de trafic. Et en fait, bah du coup, là il y a Athènes, donc les bateaux ils vont probablement remonter par là. Et en dézoomant, on se rend compte que probablement ils arrivent de Istanbul, quoi. Et tout ça là, en vert, bah, c'est tout ce qu'on a fait en trace depuis un mois et demi déjà. Et là du coup, on retourne, on va aller mouiller par ici. Sougnon, ça s'appelle Sougnon, c'est là où il y a le temple de Poséidon. Et après, bah, il nous restera une dernière traversée. On va passer à Porto Eli une journée et le chantier pour hiverner le bateau. 21 nœuds de vent, 20 nœuds de vent, on marche à 8 nœuds 2, ça carbure. Arrivé dans 2h30 normalement, si ça continue à ce train là. 8 nœuds 5, ça dépote. On est en train d'arriver, on aura bien avancé. On va derrière la pointe. Vous voyez où le voilier est en train d'aller là-bas? Et ben nous, on va juste derrière. On est vraiment plus très loin, mais le vent est bien tombé, donc on va un peu moins vite. Mais d'ici une heure, ça devrait être fini. Il y a un autre voilier là-bas sur l'horizon.
C'est les deux voiliers que j'ai vus depuis bien longtemps. Je suis souvent seul sur l'eau, à part les gros navires marchands. Et tout là-bas, cette île, elle est remplie d'éoliennes. C'est pas habité, c'est juste des éoliennes. C'est l'île qui a pas loin d'Athènes. On l'a déjà vu dans la saison 2. Demain, on devrait s'en rapprocher un peu plus. On verra peut-être mieux. On est presque arrivé. On voit le temple en haut de la montagne. On le verra mieux tout à l'heure. Bien arrivé au mouillage devant l'ancien palais de Poséidon. C'est l'un des derniers mouillages que l'on va faire. Il en restera un autre. Après, ce sera Porto Eli pour nettoyer le bateau, ranger les voiles. Et après, chantier. Là, ça sent vraiment la fin. Je suis content d'être ici. J'étais déjà venu une fois et ça me fait plaisir de revoir ce site. Parce que c'est vrai que c'est assez beau de voir ce temple depuis le bateau, c'est pas commun. Avant-dernière navigation. Normalement, ça devrait être paisible aujourd'hui. Dans ce coin-là de la Grèce, il n'y a jamais trop de vent. Donc, ça devrait être agréable, espérons-le. Plus agréable en tout cas que le début d'hier.
J'avoue que j'ai quelques séquelles. J'ai un peu mal en bas du dos à droite, là. Je me suis pas mal étiré pour essayer de passer ça. C'est assez inconfortable. Il y a certains mouvements, ça tire dans le bas du dos. Mais bon, si c'est les seules séquelles, ça va. D'ici un jour ou deux, ça devrait être passé. Je peux quand même naviguer. J'avais peur en me levant d'être complètement coincé et de devoir rester attendre au mouillage que ça passe. Mais ça va, je peux naviguer. Donc c'est parti. On a à peine quitté le mouillage. On est déjà sous spi. On voit encore le temple là-bas. On n'a pas beaucoup de milles à faire, donc même si on va tout doux, là on est à 3 nœuds. On va rester comme ça. Et après la manœuvre, faut ranger tous les bouts. 5 nœuds 5 devant. On marche à 4 nœuds 7. Ça, c'est efficace. Le vent adonne pas mal, c'est-à-dire qu'il arrive de plus en plus vers l'avant du bateau. Et là, on est vraiment trop lofé, très lofé pour porter le spi. Du coup, je vais devoir l'affaler. De retour avec le génois. À peu près à la même vitesse. Et là, il y a toujours l'île avec les éoliennes. Mais il n'y a pas beaucoup de vent, donc ça tourne pas très vite. 9 nœuds 5 devant, 9 nœuds 3. On marche à 7 nœuds 10, 7 nœuds 14. Ça bombarde. On est en train d'arriver et du coup nous on va aller mouiller tout au bout là-bas ici. C'est Ilra. On est déjà venu mouiller ici avant, mais plutôt au début de l'île par ici. On est presque arrivé. On va pile au milieu. On va ici, là, on rentre par là. On laisse une île à droite, l'autre à gauche. Et on rentre au milieu. Et du coup, là, ici, tout ça, là, c'est le continent. Très montagneux aussi.
On est arrivé au dernier mouillage. Demain, route vers Porto Eli où je commencerai à déshiverner le bateau. Je vais pas vous faire de vidéo de ça parce que j'ai un peu la flemme et que c'est pas très intéressant. Par contre, ce que j'essaierai de faire et ce que j'ai envie de faire depuis quelques temps, c'est une petite vidéo pour vous présenter le bateau un petit peu, voir à quoi ça ressemble exactement à l'intérieur, les coffres, un peu tout quoi. Donc une fois que le bateau sera bien hiverné, tout rangé, tout propre, on fera un petit tour du bateau et je vous montrerai tout. En attendant, on va profiter du coucher de soleil, le dernier au mouillage ici. C'est plutôt joli. Il y a quelques yachts aussi, il y en a un qui est parti tout à l'heure. Par contre, on a mouillé par 20 mètres de fond et je suis pas très loin des côtes derrière. Mais j'ai mis une alarme, donc normalement je serai prévenu si jamais on s'approche trop. Allez, coucher de soleil et on profite des dernières images de drone. Comme prévu, il n'y a pas du tout de vent, c'est la pétole, la mer est comme un miroir, 15 000 à faire à peu près, donc ça ferait 3 heures de moteur, probablement que ce sera 3 heures de moteur, parce qu'il n'y a pas de vent de prévu du tout, et je vois même l'autre côté, là où on va, et c'est la pétole aussi. C'est pas très grave. C'est la dernière navigation. Il y avait des averses un petit peu ce matin. C'est la Grèce qui est triste de me voir partir, c'est ça ?
Il reste à peine 4000. J'aurais pu terminer au moteur, mais le vent vient d'arriver un petit peu. Il n'y a pas beaucoup, il y a 7 nœuds. Donc on n'avance pas très très vite, parce qu'on est au portant. Mais vu que c'est la dernière fois que j'utilise les voiles, avant de les rincer, les nettoyer, bien les ranger jusqu'à la prochaine fois. Bon, j'ai pas longtemps hésité, hein. Je les ai renvoyés. J'avais envie de profiter un petit peu. Et que ce soit ce voilier ou le catamaran devant là, eux ils en ont décidé autrement, ils sont restés au moteur. On est en train d'arriver, nous on va à l'intérieur là, on rentre dans la baie ici, et au fond c'est là qu'il y a l'abri. Je crois que le mec il connaît pas les 5 nœuds à 300 mètres des côtes. Hein. Là il y a toute la baie là, qui a des vagues de partout et tout. Et voilà, on est arrivé à Porto Eli. Demain on ira au port là-bas. Et là nous on va se trouver une place au mouillage en attendant. Passer la journée ici. Oh,
voiles sont retirées, une partie de la castillage aussi. Maintenant je quitte le port et je rejoins le mouillage devant le chantier. Et demain, on sort de l'eau. On est à Quillada, pas loin du chantier. Il est juste là-bas. J'attends qu'il m'appelle. Normalement, il commence à lever les bateaux à partir de 8h30. Donc c'est le jour où le bateau sort de l'eau. Il me reste encore le nettoyage à l'intérieur à faire. Deux, trois autres petits trucs. Et ce sera vraiment fini. C'est le moment de sortir le bateau de l'eau. C'est vraiment la fin. Je suis un peu moins triste que les dernières fois, un peu moins nostalgique. Je crois que c'est parce que je suis bien content et que je commence à me faire à ce rythme. Ils ont plus qu'à finir avec ce bateau et après c'est à moi. On va voir où est-ce qu'ils me mettent. Maintenant que le bateau est sorti de l'eau, on va mettre le ber sous le bateau et après ils vont l'emmener à son espace de stockage. Le chantier est derrière moi et la dernière étape périlleuse, et ben faut traverser la route. Et voilà, c'est là qui trouvera sa place pour les mois à venir.